Félicitations les amis, félicitations beaucoup. Aujourd'hui samedi, on a pu faire rentrer deux coupons sur nos trois coupons là. On a pu faire rentrer le coupon cote 2,80, le coupon cote 3,81. C'est le coupon cote 10 là qu'on n'a pas pu enregistrer aujourd'hui. Le coupon cote 10 là, on l'a perdu. On a partagé deux coupons en live et trois coupons en live. On a perdu un, on a gagné deux. Maintenant, pour le compte de ce dimanche, nous avons pu réunir, nous avons pu piocher 8 matchs, nous avons pu analyser 8 matchs pour faire une cote 15, c'est un mini kamikaze pour terminer la semaine avec. Et d'après notre analyse, au moins nous avons une chance de plus de 90% pour faire rentrer sur cette belle cote de 15. Alors regardez très bien les options que nous avons choisies dans ces différents 8 matchs que nous avons étudiés. Pour le premier match, d'abord le match Aston Villa contre Manchester United. Nous connaissons tous Manchester United ces derniers temps. C'est une équipe qui marque dans ces matchs là et qui encaisse nécessairement. Ils ont toujours des failles défensives et vous connaissez très bien Aston Villa. Aston Villa ne fait plus cadeau à n'importe quelle équipe ces derniers temps. Aston Villa, voilà, ils sont très forts et surtout à domicile encore. Man U va devoir faire fort avant d'espérer un match nul. Man U va devoir faire fort avant d'espérer un match nul. Donc nous, on a pu miser les deux équipes marques là pour cette belle cote de 1,46. Le prochain match, nous avons choisi victoire directe de Chelsea contre cette belle équipe de Nottingham Forest avec la meilleure cote possible à domicile pour Chelsea, 1,53. Avec Cole Palmer qui est vraiment en grande forme, toute l'équipe de Chelsea sont vraiment en forme. On ne peut pas nier ça ces derniers temps. Chelsea, ils jouent très bien et ils marquent assez de buts dans leur match là. Chelsea est capable de marquer jusqu'à 5 buts, même s'il encaisse, mais Chelsea est capable de marquer jusqu'à 5 buts dans ce match actuellement. Le prochain match, nous avons choisi les deux équipes marquent entre ces deux belles équipes très offensives de la première ligue, Brighton contre Tottenham. Tottenham actuellement, non, ça joue très bien. Ça joue très bien contre cette belle équipe offensive de Brighton. Une équipe qui ne laisse pas passer souvent. Ils vont scorer au moins un but face à cette équipe de Tottenham. Et donc, logiquement, nous avons choisi les deux équipes marques pour cette cote de 1,34. Bon, le prochain match, c'est le match qui oppose Francfort contre Bayern. Nous avons choisi les deux équipes vont marquer. Vous connaissez tous Francfort. D'abord, Bayern Munich, c'est une équipe, c'est un grand club, mais c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Bayern Munich encaisse beaucoup de buts. Et donc, face à Francfort à domicile, Bayern Munich ne va pas faire exception. Et c'est sûr qu'ils vont chercher à riposter. Mais ceux qui parient déjà, moi, je suis dans les paris sportifs depuis 2018. On connaît tous Francfort. Les matchs de Francfort face à Bayern Munich, là, Bayern Munich perd souvent. Allez consulter les statistiques. Francfort, c'est la bête noire de Bayern Munich. Donc, si les gens, les amis qui veulent choisir victoire directe de Bayern Munich dans d'autres coupons là, faites beaucoup attention. Face à Francfort, Bayern Munich perd très souvent. Parce que c'est la bête noire. Francfort, c'est la bête noire de Bayern Munich. Donc, logiquement, nous avons choisi les deux équipes vont marquer. Le prochain match, nous avons choisi les deux équipes vont marquer entre Stuttgart contre TSV et Offenheim. Donc, vous connaissez tous Stuttgart déjà sur cette chaîne. Hein? Vous savez que dans les matchs de Stuttgart, c'est l'option que nous gagnons très souvent. Stuttgart, là, eux, depuis la saison dernière, depuis que Issé Ogirassaye, l'actuel joueur de Dortmund, depuis que Issé Ogirassaye, le Guinéen, est encore à Stuttgart, là, nous gagnons toujours cette option. Stuttgart encaisse toujours de buts et marque également aussi parce qu'il développe un jeu très offensif. Donc, le prochain match, nous avons choisi la victoire directe de FC Barcelone à l'extérieur avec cette belle cote de 1,57. FC Barcelone actuellement, ils sont très forts en championnat et leur objectif à chaque match, c'est de mettre beaucoup de buts, le nombre de buts nécessaires pour aller chercher les 3 points, même s'ils vont encaisser derrière. Le problème, ce que FC Barcelone cherche actuellement, c'est les 3 points. Et donc, aujourd'hui, leur rival, le Real Madrid, même a gagné son match et donc c'est une motivation supplémentaire pour le FC Barcelone avec ses joueurs, c'est d'arracher les 3 points chez Deportivo Alavés. Donc, logiquement, nous avons choisi victoire directe de FC Barcelone avec une cote de 1,57. Le prochain match, l'avant-dernier match, nous avons choisi total individu de Galatasaray, total 1 pour Galatasaray, c'est-à-dire 1,5 buts pour Galatasaray. Donc nous voulons 2 buts pour Galatasaray. Galatasaray, qu'est-ce que nous avons constaté pour les 6 derniers matchs de Galatasaray, qu'ils marquent entre
et 3 à 5 buts par match. Mais il encaisse beaucoup. Galatasaray encaisse beaucoup de buts aussi. Et donc, pour ne pas choisir les deux équipes vont marquer ou que pour ne pas choisir victoire directe de Galatasaray, nous avons choisi 2 buts pour Galatasaray. Donc, vous pouvez aller regarder les statistiques. Galatasaray marque entre 3 à 4 buts, 5 buts par match parce qu'ils ont vraiment des joueurs offensifs. Mais Galatasaray encaisse des buts vers la fin du match pour vraiment faire les matchs nuls ou bien oui. Voilà. Donc, nous avons pris 2 buts de Galatasaray. Et puis, le tout dernier match pour clôturer la côte 15, c'est le match qui oppose Nice contre le Paris Saint-Germain. Ce serait un grand match pour la Ligue 1 parce que Nice actuellement, c'est une équipe très forte. Ça là, pour ceux qui regardent le match, ils savent de quoi je parle. Face à cette belle équipe de Paris Saint-Germain, et où il y aura le retour de Dembélé, c'est sûr qu'il y aura 2 buts dans ce match. Donc, pour dans tout le match, nous avons choisi total plus 1,5 buts. Donc, il peut faire 1-1, mais Paris peut faire 2-0, ou bien que Nice peut faire 2-0. Nous voulons seulement 2 buts dans ce match-là. Et je suis sûr qu'ils vont le faire. C'est comme les Monaco et Stade Rennais aujourd'hui, ils l'ont fait. Donc, l'ensemble de ces 8 matchs-là nous donne une belle cote de 15,17, c'est une très belle cote les amis. Donc et n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de laisser vos commentaires, laissez vos avis en commentaire. Alors, je vais enregistrer le coupon afin de partager le code avec vous pour que vous puissiez le télécharger dans son intégralité sur OneIsBet. Et nous vous prions d'utiliser le code promo OneIsBet qui est sur l'écran là pour s'inscrire sur OneIsBet parce que ça vous donne droit à 200% de bonus sur votre premier dépôt et aussi des cotes les plus élevées. Vous avez assez d'avantages que les comptes qui ne sont pas ouverts avec des codes promo. Les codes promo sont des clés en réalité. Ça, c'est ça qui donne des avantages sur votre compte. Vous pouvez ouvrir un compte avec code promo à part et ouvrir un compte sans code promo à part et vous allez regarder la différence. Donc pour vraiment suivre l'aventure avec nous, pour bénéficier des belles cotes, donc nous vous prions de s'inscrire avec le code promo qui est sur l'écran là, le code promo SOGO sur OneIsBet. Allez, bonne chance à nous tous et puis on se dit ciao à la prochaine vidéo.